Penser à des choses. Ouais, voilà. Des belles choses au moins. Hein? Des belles choses au moins. Ouais, j'attends un coup de fil, mais je sais pas si. On va m'appeler. La fameuse fille que tu me parlais. Ouais. Donner mon numéro. Hein? Et donner mon numéro. Ah. Une caissière à l'Intermarché. J'ai écrit, je serais ravi de vous rencontrer. Enfin, de faire votre connaissance. Je lui ai donné ça discrètement, elle m'a fait un sourire, ouais. Ouais, j'attends de voir, mais on sait jamais, c'est voilà, c'est comme ça. Hein. Moi, c'est fait, c'est bien, c'est un soulagement. Après, je ne peux pas forcer quelqu'un à aimer l'autre. Mais ouais, je me dis, elle va finir son travail. Je crois que ça n'a mené à rien. Mais bon, faut voir le côté positif. Tu me dis ça à moi, mais Je suis allé moi. vers elle, j'ai tenté la chose, Salut et j'ai eu un Victorine. beau sourire en retour. Tu Voilà. sais, tu me dis ça à moi, mais moi. Le meilleur des sourires de la journée. Sur un bon moment. Elle est assez cocotte. Bref. Salut Victorine, Victorine, comment vas-tu? t'as pas de problème de chat toi sur, enfin je sais pas si tu diffuses d'ailleurs, je sais pas si tu diffuses, parce que il y en a là qui ont des problèmes de, il y en a qui ont des problèmes de chat, c'est-à-dire que quand on leur met un message, ils le voient pas sur la Xbox, ils le voient pas non plus sur le site de Mixer sur Internet. Quand ils regardent leur propre diffusion. Bah bref. Bah quoi. Donc c'est un peu la galère. Un peu beaucoup la galère. Je sais pas si tu diffuses toi, Victorine. Parce que en ce moment, Mixer, c'est pas ça. En ce moment, Mixer, c'est. En ce moment, Mixer, ça part un petit peu en. Ça part un petit peu en. Il est où le manche? Ça part un petit peu en cacahuète. Soirée des plus mortelles. Oh, peut-être pour toi, mais pas pour moi. Moi, j'ai regardé les trois derniers épisodes de The Big Bang Theory. Et la semaine prochaine, il va y avoir trois nouveaux épisodes de la série qui explique la genèse de Sheldon. Le plus taré de tous les. Le plus taré de l'équipe qu'il y a sur. Qu'il y a dans l'émission, quoi. Enfin, dans la série. Plus taré. Bah non, il est pas taré, il est intelligent, mais bon.
Et ça t'arrive souvent, Damien, de... Ça t'arrive souvent de draguer des... Non. De draguer des caissières à Intermarché? Non. Ouais, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui... Non, bon, bref. T'as pas peur qu'elle te fasse encore mal au cœur, c'est là? Bof. Salut Oscaro. Ça ira mieux. Tiens, Oscaro, Oscaro, ce matin, je t'ai vu, tu diffusais. Ce matin où je sais plus. Oh putain. Ce matin où je sais plus quand, t'as tenté de diffuser. T'as tenté de diffuser du Fortnite sur ton téléphone, non? Il me semble. Ouais, hier soir, ouais. Ah, c'est hier soir? Ah, tiens. Hier soir, t'es sûr? C'était pas plutôt ce matin? Non, hier soir. Et t'as quoi comme téléphone? Parce que apparemment t'avais l'air de dire que tu comprenais pas pourquoi que ton jeu était en anglais, je sais pas quoi. 23h. Voyons. Tu joues sur Fortnite en cachette? Pour éviter que tes parents te voient y jouer? Pas bien ça. C'est pas bien. C'est pas bien, je vais en cacher ça. Pas bien. C'est pas bien. Remarque toi Oscaro, c'est bien parce que toi au moins tu joues pas à la console, lumière éteinte, et tu parles pas tout bas pour éviter que tes parents te... Pour éviter que tes parents t'entendent parler à des potes et puis que. Et qu'ils rentrent dans la chambre et puis qu'ils te débranchent la console, à tout ça quoi, la box, etc. Parce que moi j'en avais sur la 360, c'est comme ça qu'ils faisaient. Quand les parents leur disaient d'éteindre la console parce que le lendemain ils devaient aller à l'école, et bah t'en avais, ils faisaient tout le contraire. C'est-à-dire que t'en avais, ils jouaient à leur console. Oh putain. Ils m'invitaient en groupe d'amis et puis ils parlaient comme ça. Ah c'était. Alors. Moi je parlais normalement, tu vois. Je parlais normalement, mais eux voilà, ils parlaient comme ça. C'était pas très. Les conversations elles étaient plutôt limitées quoi. Ah, t'es en vacances? Bah, non. Un coup chez le parrain, un coup chez la grand-mère. Non. Et ton parrain, il a la fibre aussi? Non, il n'a pas la fibre. Parce que j'ai l'impression que dans ta famille, dans ta petite famille, j'ai l'impression qu'ils ont tous la fibre sauf toi. Après, je sais pas si c'est une impression. Allez, coupe la wifi carrément.
Ah ouais, carrément quoi. Carrément, ils te coupent la wifi. Ah ouais. Ouais, parce qu'ils connaissent, ils savent que... Ils te connaissent, ils savent que tu veux y jouer, donc ils coupent la wifi. Des malins. Ils sont malins tes parents, hein. Ils sont malins. Ils sont plus mal... ils sont plus malins que certains parents. Donc ça, hop, ils coupent la wifi, tac, ça. Tu peux pas jouer à Fortnite. Con, hein. Non? Comment ça, non? T'es en train de dire que tes parents, ils sont pas intelligents? Pas bien, ça. Tant mieux que quoi? Tant mieux que tes parents, ils soient intelligents? Pas ils soient intelligents, ils sont malins. Non? Parce que je connais aucun autre, je connais aucun autre parent moi qui couperait le wifi de son gamin pour ne pas qu'il joue à pour ne pas qu'il joue à Fortnite le soir. Personnellement, j'en connais aucun moi. Je sais que mes parents, si j'avais le même âge que toi. Je pense pas qu'ils en seraient arrivés au point de couper le. Je pense pas qu'ils en seraient arrivés au point de couper le wifi pour m'empêcher, enfin empêcher, pour que je ne puisse pas jouer à, pour que je puisse pas jouer à Fortnite le, à Fortnite le soir. Mais en fait Fortnite c'est une drogue hein, pour toi Oscaro, c'est une drogue. Même en vacances, tu. Même en vacances, tu joues quoi. C'est une drogue. C'est une drogue. Au lieu de profiter de tes vacances, non, tu joues à Fortnite. C'est. C'est comme une drogue quoi. Comme une drogue. Tu peux pas t'en. Tu peux pas t'en passer. Oui mais tu dis qu'il le coupe pas pour la console mais même si tu allumes ta console sans que eux ils le sachent, si le wifi il le coupe, si la box il l'éteint, t'as plus de wifi. Donc à moins de savoir jouer en ligne avec la 4G, je sais pas si tu sais faire ça. Mais sans wifi tu peux pas te connecter sur le Xbox Live. Salut Tony. Salut Tony. Bah, je sais pas parce que jouer à Fortnite sur ton téléphone chez ton parrain, excuse-moi, mais si tu te prétends pas accro à Fortnite, permets-moi de te dire, Oscaro, si. Parce que être chez son parrain et trouver le moyen de jouer à Fortnite, de jouer à Fortnite depuis ton téléphone, si, pour moi, t'es accro. Pour moi, t'es accro. Tu serais pas accro, tu jouerais à autre chose sur ton téléphone que de jouer à Fortnite. Tu trouves pas? Penses pas? Ouais, bah c'est pas la forme. C'est pas la forme. Hein? Quoi? Pas la forme. Pourquoi pas la forme? Parce Tu me connais, toi. Parce que la copine a très bon pas? Parce que la fille a très bon pas? Elle t'appelle pas?
dirai rien. Tu diras rien, tu diras rien. Tu me l'as. Tu dis rien, tu dis rien. Tu me l'as tué tout à l'heure, donc tu dis rien. Je ne dirai rien sans la présence de mon avocat. T'es pas. Quel avocat? T'as même pas les moyens de te lâcher, l'avocat. T'as même pas les moyens de te payer, l'avocat. L'avocat, quel avocat? Ah si, un avocat commis d'office? Ah si? Hein? Un avocat. Hein, Damien? Hein, Damien? Un avocat commis d'office? Ah oui? Bah oui, comme ça tu payes pas. Tu payes pas. Bah oui. Ah oui? Bah oui. Après, pour être. Pour moi, être. Ah oui. Quoi? Si je joue une nuit. Ouais. Mais bon, c'est vrai, je le reconnais. C'est vrai, je le reconnais, Oscaro. C'est vrai, je le reconnais, Oscaro, que je t'y ai vu jouer, apparemment, tu me dis hier soir. Il était 11h, je sais plus quoi il était. Mais bon, reconnais quand même, Oscaro, qu'il jouait. Que jouer à Fortnite sur son téléphone à 11h le soir. C'est pas. Voilà. Reconnais quand même au moins ça, Oscaro. Reconnais quand même au moins ça. Moi à 23h, moi à 23h sur mon téléphone, je me mets pas à jouer à Fortnite déjà d'une part, et je ne diffuse pas dessus déjà. Parce que moi à 11h j'arrête ma diffusion et puis voilà. Reconnais au moins ça, Oscaro. Reconnais au moins ça. Hein. Ah, quand même. De toute façon, moi mon téléphone, je peux pas ni jouer à Fortnite et encore moins diffuser dessus. Parce que la dernière fois, j'avais essayé de diffuser sur Diggs Adventure. Bon, c'est pas le jeu le plus passionnant de l'histoire, mais bon, j'ai essayé de streamer dessus et non. Ça a fait bugger mon téléphone en plus. Enfin bref, c'est vraiment la merde quoi. C'était vraiment la merde. Donc ça a tellement fait bugger mon téléphone que j'ai dû l'éteindre et le rallumer. Donc j'ai même dû le redémarrer. Pour te dire que mon téléphone, hein, il est plus toujours mon téléphone. Hein. Téléphone d'ailleurs, quand j'aurai un peu plus de sous, que j'aurai un peu plus de moyens, je verrai pour changer parce que. Une exception. Bah écoute, t'es en vacances pendant 15 jours, je crois, Oscaro, non? Je crois que les vacances, c'est 15 jours, je crois. Je crois que vous êtes en vacances pendant 15 jours. Bah écoute, on verra. Hein. J'espère pour toi quand même que les vacances chez ton parrain, ils sont quand même que tu vas pas. Bah, oh si, tu peux y jouer parce que bon, là, c'est pas. Si chez ton parrain, t'as pas grand chose d'autre à faire que de jouer à ton téléphone. Je me mets un peu à ta place, Oscaro, parce que moi j'ai ma tante. J'ai la soeur à ma mère, elle habite dans un. Elle habite dans un trou paumé. Et c'est vrai que t'as pas grand chose à faire que de faire des promenades. Et vrai que c'est vrai que si chez ma tante t'as pas de téléphone, t'as pas le compte occupé, c'est vrai que tu peux très très vite t'emmerder. Ça c'est vrai. Parce qu'elle est pas en ville, hein, elle est en pleine cambrousse. C'est vrai que bon. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon. Mais la diffusion que tu as fait hier là sur ton. Enfin, j'imagine que tu es passé par Mixer. C'était bien, hein, c'était. Enfin, moi de ce que j'en ai vu vite fait, c'était bien. Hein. Il y avait pas de. Il y avait. Ton image était nette, il y avait pas de problème. Tu parlais, on t'entendait nickel, il y avait pas de. Ah, j'imagine que tu parlais sûrement avec un kit main libre, je pense. Mais franchement, c'était vraiment nickel hier.
nickel. Hein. Par contre, pour le chat, Oscaro, par contre, pour le chat, enfin, je sais pas comment ça marche sur ton téléphone. Mais moi, une fois, j'avais essayé de faire comme tu comme t'as fait l'autre soir sur à diffuser ça. J'avais essayé. Et je crois que le chat, tu peux l'activer quand tu diffuses. T'as juste à activer. Puis tu vois des espèces de machins qui s'affichent sur l'écran quand quelqu'un t'envoie un message. Alors, je sais pas si ça marche comme ça sur ton téléphone. Salut, my monstrosity. Oula. Parce que ton téléphone, au CAO, c'est un quoi? C'est un Android ou c'est un iPhone? Parce que Samsung, c'est la marque de ton téléphone, mais... C'est peut-être un Android, non? Parce que je sais que moi, c'est un Sony... c'est un Sony... Hein? Sur mon live. Il n'y a même pas le son. Ouais, la musique, c'est vraiment... pourquoi on va faire quoi avec la musique? On va la vendre dehors là, sur le trottoir là. On fait pour qui ce jour là? droit d'auteur là. Arrêtez, supprimer plutôt YouTube, ça ira plus vite, hein. Mais tu sais qu'il y a un article de loi qui va passer là, l'article de loi 13.5 ou l'article je sais quoi. Toutes les vidéos que tu vas ou le vidéo, si tu vois jamais, c'est par exemple, hein, tu fais un film et vidéo par exemple avec ton caméscope, qu'au même moment qu'il y a une voiture qui passe derrière, alors de la marque Peugeot, Citroën ou machin, si t'as pas l'autorisation de la personne qui est passée derrière toi, qui est passée derrière ta vidéo, si t'as pas son autorisation pour mettre la vidéo, et ben tu pourras te la faire bannir. Parce que t'as pas eu l'autorisation. Et pour les jeux, c'est pareil. Pour les jeux, si la musique, si quelque chose de jeu, t'as pas l'autorisation de faire de diffuser ça. Ah, tu vois, à mon avis, je pense que Mixer, ils ont mis. C'est pour ça d'ailleurs que ça merde. C'est pour ça que ça fout la merde avec certains autres. Autre streamer, je pense que en fait toutes les musiques que pour eux c'est un droit d'auteur, poum, il la coupe. Voilà. Enfin, si tu passes par la console, hein, il la coupe. Mais si tu fais comme moi, tu passes par un PC, par OBS, il la coupe pas. Parce que comme moi je passe pas par la console, maintenant je passe plus par la console. Voilà. Voilà, voilà. C'est une cochonnerie, hein. C'est une cochonnerie. Merci, Arthur, ça fait plaisir. C'est gentil. Je te remercie. Mais attends, on est en codiffusion, hein. Hein? Hein, Damien? On est en codiffusion, hein? Damien? Ah, je comprends pas là. Ah, pourtant je me suis enlevé de ta collision quand je suis pas terre. C'est ces conneries, hein. Oh, qu'est-ce qu'il m'a encore fait? Ah, Damien, on est en codiffusion? Hein? On est en codiffusion? Ouais. Je vois pas, moi. Bah, je vois pas le truc de... Pichard, ça. Tu peux m'aider parce que je vois pas le... Pichard, je vois pas.
Attends, bouge pas. Non, mais c'est bon, t'es en code du suivant avec moi. Ah oui, d'accord, c'est bon, j'ai vu. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, d'accord. Non, mais c'est bon, j'ai. Oui, d'accord. Oui, non, mais c'est bon, j'ai. D'accord, ok, j'ai vu. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon, d'accord, j'ai vu, ok, c'est bon. Non, mais c'est. D'accord, ok. Non, parce que je pensais que comme j'avais quitté. Ah bah, c'est parce que d'ailleurs, j'ai pas quitté la. Et d'accord, mais c'est. D'accord, ok. Que je pensais pas que. Je pensais pas que. D'accord. Salut, Chilium. Mais Damien, tu sais qu'il y a des jeux sur Mixer? Bah je t'avais dit, hein. Il y a Mafia 3, il y a quoi encore? Je suis sûr que The Crew 2, je suis sûr que The Crew 2, que vu toutes les musiques qu'il y a sur The Crew 2, je suis sûr que si tu diffuses le jeu depuis la console, ça te coupe toutes les musiques du jeu, hein. C'est sûr. Hein. Il y a une musique, paf, paf, il la coupe. Ce qui veut dire que non seulement il la coupe, mais ta voix, ta propre voix, ta propre voix, il risque de pas entendre. Ta propre voix. Parce que généralement, quand il coupe le son de la musique, et bah toi, ta voix, hop, il la coupe. Ce qui veut dire que si tu parles, pendant la musique, boum. Et après, le son, il revient, mais comme t'as parlé, puis que les autres, bah, ils ont pas entendu. Ah. Tu vois un peu le. Tu vois un peu le schmilblick? Ah ouais, mais oui, mais pas. Oui, j'imagine, ouais, comme l'alcool, ouais. Et c'est quoi comme alcool? Et c'est quoi comme alcool le Sky? Je crois qu'une fois il y en a un qui m'avait dit que le Sky c'était une alcool forte. Le Sky, je crois. Il me semble. Et c'est quoi le Sky comme alcool, Damien? Whisky? Du whisky? Ah. Salut Yukino. Salut Yukino. Voilà. On t'a tous accueilli tout son cœur. Salut Yukino. T'as vu, hein, t'as vu ça, hein? Oula. Tout son cœur. Alcool quoi? D'orge? Ouais, c'est du whisky quoi. Du whisky. J'aime pas le whisky. J'aime pas. Même le whisky. Même le whisky coca, j'aime pas. J'aime pas. Je préfère le coca simple, moi. Whisky. Tout ce qui est whisky, Ricard. J'aime pas. Oui, je suis sur One, mais sur la One X. Bah, comme je l'ai marqué en titre, comme je l'ai marqué en titre de diffusion, je suis sur la One X. Yukino? Yukino? Yukino, si tu m'entends, pour le chat, ce mixeur, tu feras gaffe parce que il y en a certains, tous les messages qu'ils
qu'on leur laisse, bah ils voyaient pas le message. C'est-à-dire que toi, si tu actives ton chat, bah si tu l'actives, tu verras, ça va te marquer bienvenue sur le chat. Et puis voilà. Donc tu vas peut-être croire que personne ne te parle, mais en fait compte si. Et le problème c'est que comme toi tu vois pas les messages. Voilà. Là comme là sur le chat là je vois c'est marqué le chiffre 0. Enfin moi je vois 0. Mais il y a Tony qui nous regarde, il y a qui encore. Il doit au moins avoir 2 ou 3 qui nous regardent. Mais moi c'est marqué 0 sur mon truc quoi. C'est marqué 0. Ok voilà. Cette année mixeur de. Hein, bon. Il n'y a même pas 3 qui nous regardent, même 4. Oula non, 5, 6, oula 8, oula 7, ah non, 7. Ah bref, peu importe le nombre. Ah bah si ça y est, ça arrive, ah bah non, 6. Ah non, allez, j'ai un lit, ça arrive. Ah non. Ça a mis le temps, hein. Ça a mis le temps. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Oh putain, qu'est-ce que tu me fais, Cavani? Ah. Est-ce qu'il est aussi bon sur le PES que qu'en vrai? Ça va. Ça va. Je me disais aussi que t'allais jouer à PES et que t'allais prendre PSG. Je me disais aussi. Et est-ce qu'il est aussi beau sur PES que dans la ouais, raté bien, je suis X, hein. Ouais, il est cool. Est-ce que Cavani il est aussi beau sur le jeu qu'en vrai? Hein? Oh. En vrai. En vrai, d'accord. C'est-à-dire que sur le jeu il est moche. Ça va. Ça va les faire plaisir de savoir que sur un jeu il est moche et qu'en vrai il est mieux. Ça fait plaisir. Mais je sais même pas à quoi il ressemble Cavani. Je sais même pas à quoi il ressemble. J'ai peut-être dû le voir à la télé une fois mais. Ah, c'est un beau gosse Cavani. Vincent. J'espère pour toi que c'est un beau gosse parce que tu te laves quand même avec hein. Enfin dans ton imaginaire tu te laves avec mais bon. Ah bon? À ce point là? Il est nul à ce point là Tony? Il est vraiment nul là. Okay. Je sais pas Tony Truant il dit qu'il est nul. Il est si nul que ça Cavani? Non pourquoi? Apparemment Tony Truant il dit qu'il est nul.
Apparemment, il dit qu'il est nul, alors, je sais pas. Moi, je sais pas, j'y connais rien, moi. J'y connais rien, moi, en fait, alors. Bah, faut dire que PES, Sky, c'est quoi Sky? Faut dire que PES, pendant presque 3 ans ou 4 ans, ils ont non plus refait des PES parce que bah, ils avaient pas les moyens financiers, on va dire, pour acheter toutes les licences qu'il y avait par rapport à FIFA. Et moi, je dois bien, et moi, je crois que le dernier PES que j'ai joué, c'est le 2013-2014, parce que à l'époque, les PES qu'ils faisaient, tous les joueurs avaient le même visage. Ils avaient tous le même visage. C'est-à-dire que comme ils n'avaient pas les droits, comme ils n'avaient pas acheté les droits, et que financièrement, bah, acheter les droits pour PES, voilà, ça coûte cher, ça coûte très cher. Donc voilà, donc ils ont non plus refait pendant 2-3 ans. Puis ils ont attendu 3 ans sûrement pour avoir l'argent pour acheter les licences. Puis une fois qu'ils ont eu l'argent, bah ils ont. Une fois qu'ils ont réussi à avoir l'argent, bah ils ont fait le. Ils ont fait un PES quoi. Ouais. Le gameplay aussi, mais ce qui est quand même intéressant aussi, c'est de voir le visage des joueurs. FIFA, t'as des équipes dans FIFA que je connais pas. Hein. T'as des clubs sur FIFA que je connais pas. Hein. Sur PES, t'as pas tous les clubs qui existent. T'as que les principaux, mais t'as pas les petits clubs, Ligue 1, Ligue 2, machin. Donc voilà. T'as pas les tout petits clubs, quoi. Tandis que FIFA, t'as vraiment tous les clubs. Toutes les équipes, j'en passe, donc voilà. Mais le problème de FIFA et PES, c'est que les commentaires, c'est toujours les mêmes. C'est toujours constamment les mêmes quoi. Ouais. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Je sais que PES et FIFA, moi tous les ans je me prenais l'un et l'autre, tous les ans. Mais je me suis aperçu que c'était toujours pareil. Toujours la même chose. Toujours les mêmes commentaires. Donc j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de changement quoi. Il n'y avait pas de réel changement quoi. Toujours pareil, toujours les mêmes, toujours la même chose. Si bien qu'à un moment donné, je sais pas. À un moment donné, je me suis même dit, si les commentaires ils savent pas échanger, 3 ans les mêmes commentaires, à un moment donné, tu me dis. Je crois qu'ils ont changé le. Je crois même qu'ils ont changé de commentateur à un moment donné. C'est plus le même. Je crois, il me semble. Mais bon, ils ont changé les commentateurs, mais les commentaires, pareil quoi. Pas terrible quoi. Pas terrible. Salut Méduse, Mésomar.
Vraiment un bordel les jeux de foot. Mais tu joues en comment? Tu joues en comment? Tu joues en facile, difficile? Novice? Ouais, je sais pas, ça peut être facile. Ouais. Et pour la durée? Ouais. Et pour la durée, t'es mis combien de temps? Quand j'étais gosse, j'étais à fond, mais là, c'est toujours pareil. C'est un vrai bordel. Et pour la durée, t'es mis combien? Pour la durée? 45 minutes? 20 minutes? Je crois que j'ai passé l'âge de jouer des jeux de foot. Pourtant, c'est vrai, c'est sympa. Hein. Bah. Sinon, c'est vieux en plus, les jeux de foot, laisse tomber. J'ai eu ça quand j'étais gosse. Tiens, bah, tu devrais jouer. Tiens, bah, Damien, quand t'as le Game Pass, tu devrais essayer de jouer au truc de golf, tiens. Il prend que 4 gigas, ça veut dire. Moi, j'y joue, moi, j'ai joué la dernière fois au truc de golf, là. Ouais, le golf, c'est. Ah, le golf c'est encore autre chose. C'est pas aussi palpitant que du foot. Hein. Ça l'est même encore moins palpitant. Ça l'est même encore moins. Ah bon, c'est pas évident. Les pas sont longueur, tout ça. Par contre, ce que j'aimerais bien qu'ils mettent dans le Game Pass, c'est un billard. J'aimerais qu'ils mettent dans le Game Pass un jeu de billard. Ça serait bien, c'est un jeu. Ça serait bien, c'est un jeu de billard. Ça serait bien. Parce qu'avant, j'en mettais plein des buts hein, sur PS. C'était à l'époque de la PS1. Après, je m'en suis racheté un sur PS3. Énorme déception, GTA. Puis là, c'est pareil, hein. C'est dans le même style. Hein. Heureusement, je paye pas ça. Heureusement. D'où l'intérêt du Game Pass. D'où l'intérêt du Game Pass. Ouais, d'où l'intérêt du Game Pass. Ouais. 1€ pour 3 mois là, c'est cool. Après, voilà, faut que c'est cher quoi. Il y a des mecs qui font ça tous les jours, forcément. Là. C'est ce que je faisais à un moment. Pas autant, non. Pas autant qu'à un moment donné. Pas autant. Pas autant. À une époque, c'est vrai que quand, mais pas autant. Ça me dit rien, moi. Du coup, ça me dit rien de jouer en plein jeu. Mais non, pas autant. Hein. Avant, oui, c'est vrai qu'avant FIFA, ça me pèse parce que sinon, je veux pas avoir la volonté de gagner dans le jeu. C'est vrai qu'avant, tout ce qui est FIFA, plus FIFA que PES. Mais maintenant, FIFA... Ah, FIFA, c'est un bordel. Non, mais je veux dire, pour l'intérêt du... Je veux dire, pour l'intérêt du journal. Parce que comme maintenant, presque tout le monde stream... Comme maintenant, presque tout le monde stream et diffuse ces jeux, quand il peut le faire. En termes d'intérêt, maintenant, FIFA, c'est plus comme à l'époque. À l'époque, moi, j'en connaissais, mais à l'époque, ils avaient des teams qui créaient pour FIFA, ils faisaient des matchs entre les teams, etc. Enfin, c'était, voilà. Ouais. Maintenant, quand tu vois que maintenant après, les matchs. Les gens, ils évoluent aussi. Quand tu vois que maintenant les matchs de team, c'est. C'est. Ils le font sur Fortnite, voilà. Mais à l'époque, moi, j'en avais sur la 360, ils jouaient tous les soirs, ils cherchaient des teams. Pour les affronter à FIFA. Sur FIFA. Moi, une fois, il y en avait un qui m'avait invité. C'est comme Mortal Kombat, hein, avec tous les touches, là. Une fois, il y en a un qui m'avait invité, d'ailleurs, à faire un match comme ça entre teams. Bah, non. J'avais voulu essayer, moi, bah, non, c'est... Il t'attribue une place, il dit, bah, tiens, t'es... Tiens, bah, tu seras gardien de but ou attaquant ou défenseur. Pas évident. Hein. Pas évident. C'est pas évident. Merci aux followers. Ça nous tira. Salut Rocky.
Ah, je te fous, c'est bon, c'est pour se prendre la tête, ça sert à rien. Avec les dents et touches là, vas-y. Oh non, moi, il touche. Moi, je suis un mec trop rapide et en jeu, là, c'est pas si rapide que ton mec. Parle pas. Non, moi, au niveau des touches, j'ai pas de problème à Steam là. De toute façon, moi, je fais. À ce moment, quand je joue à ça, généralement, je fais beaucoup de pressing. Je fais beaucoup de pressing. Je crois que c'est terminé, je vais le foutre pour moi. Moi, quand j'y joue, je fais beaucoup de pressing. Je fais beaucoup de pressing, je fais beaucoup de passes. Puis quand j'arrive devant les vides, bah, je tire. Sans rien de se prendre la tête, sans rien. Salut. C'est du genre, ça te fait pas envie. Oula, attends, il y en a un qui... Attends, parce qu'il y en a un qui a écrit un truc, hein. Dux, oula, je vois rien, tu vois, attends, du... Oula, attends, du Slate 2, 3 et 1. Oh, je vois pas rien, tu vois. Ah, ça y est, Rock. Boosted 3 Géo. Oh putain, toi tiens, sûrement en anglais. Tu maltraites ta manette. Tu maltraites ta manette. Mortal Kombat, c'est mieux.
loading onto back markers. Watch out for the twitchy ones. Keep it clean and fly past. C'est du bien du Mortal Kombat. Du bien. Ça ne rigole pas. FIFA c'est mieux. Ouais, c'est encore après. Release and go!
Alors, regardez. Bah, je finis ma course, et puis après, j'ai regardé mes trois épisodes sur. Sur Big Bang Theory. Je finis ma course, et il me reste plus que 3 tours, et puis après. Et après, c'est bon. J'ai changé les pneus parce que c'est. Comme là, il flotte, je roulais pas énormément vite. Et comme des fois sur le jeu, bah, tu dois gérer ça aussi, les pneus. Attends. J'ai allumé la lumière parce que là, il commence à devenir un peu trop sombre. Et tu fais quoi toi souvent tes combats? Tu fais e-sport ou tu fais des combats en ligne? Non, juste des combats contre l'ordinateur en mode normal. Ah. Pour m'entraîner. Si tu devrais essayer de faire e-sport, tu verrais. Elle est pas mal l'histoire. Elle est pas mal. Moi je l'ai fait, elle est pas mal. Ouais, elle est pas évidente, hein, mais pas mal. Salut, Terrado. C'est sûr qu'il y a que du choix, quand même. Terradaro. À quoi sert ce multistream? On est amis, VV et moi, on serait ensemble. Bah, ça sert que moi je joue sur Project Cars et que lui il joue sur. Que lui il joue sur un jeu de combat. Voilà à quoi ça sert. Tu sais, une fois j'en ai vu, tu sais, Terradaro, une fois ce mixeur, j'en ai vu, il diffusait les trois sur trois jeux différents. Là, c'est sur deux que tu vois. Mais il y en a des fois, ils font ça sur trois. Les trois, ils jouent chacun sur un jeu différent. Tu sais, voir trois diffusions sur le même jeu, c'est j'aime pas moi, j'aime pas parce que tu sais pas qui regarder, quoi regarder. Parce que quand tu vois 3 gars ou 4 gars qui diffusent tous les 4 sur 4 jeux différents, s'il y en a un que t'aimes plus que l'autre, bah tu regardes l'année 4. Si tu veux pas regarder les 4 en même temps, bah tu regardes l'année 4, tu mets. Si tu regardes sur un PC ou sur un téléphone, bah tu choisis. Tu choisis. Tu vois? Voilà l'intérêt. Ah, ça t'échappe? Oh bah non. C'est moi, il y a un truc qui m'échappe aussi, Terradaro. C'est que moi, tout à l'heure, j'ai vu un gars, bah, je pense que tu l'as peut-être déjà vu. Benji TV. Je sais pas si j'ai vu ce mec. Moi, il y a un truc qui m'échappe avec lui, c'est que moi, j'ai vu son stream tout à l'heure. J'ai vu son stream. Et il a un stream qui est vraiment inférieur par rapport à moi et même par rapport à Damien. Alors quand je dis inférieur, c'est vraiment inférieur, hein. C'est le son du jeu, on l'entend quasiment pas. La qualité du stream, j'en parle même pas. Des fois l'image elle saccade ou des fois l'image elle s'arrête et puis elle reprend après. Enfin bref, c'est pas aussi net que moi. C'est pas aussi net que moi. Et ce mec-là arrive à avoir 9, 10 spectateurs, ou même 15.
Et pourtant, sa diffusion, elle est loin, très très loin d'être parfaite. Hein. Ça aussi, ça m'échappe, Teradao. Ça m'échappe beaucoup plus que le fait que tu voyes deux gars qui jouent sur des jeux différents. Tu vois ? Tu vois un peu le... Tu vois un peu le... Tu vois un peu la différence ? Hein ? Ah, Teradao. Tu vois un peu la... Tu vois un peu la différence par rapport à ce qui t'échappe toi et à ce qui m'échappe moi ? Tu vois ? Tu comprends un peu la... Non ? Tu comprends un petit peu le... Moi je préfère voir deux gars qui jouent sur des jeux différents et qui ont une bonne qualité que de voir un gars comme Benji TV qui a une qualité, je dirais pas qu'elle est merdique, mais voilà, elle est on va dire une qualité moyenne, et mais vraiment plus que moyenne, et qui a beaucoup plus de spectateurs que moi ou Damien. Ça par contre ça m'échappe. Ouais, ça m'échappe. Et ce qui m'échappe encore plus doublement, c'est que quand je vois des gars comme Bagheera le Pirate et comme Caribou, qui eux ont jusqu'à 120, 200 spectateurs, or que eux aussi, quand tu regardes leur diffusion, elle est loin d'être parfaite. Elle est très loin d'être parfaite. Ça aussi, ça m'échappe. Alors, peut-être que toi, ça t'échappe pas, mais moi, ça m'échappe. Ah! Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur ça, Teradao? Est-ce que toi aussi, ça t'échappe? Parce que moi, tu m'excuseras, mais ça m'échappe. Est-ce que toi aussi, ça t'échappe? Ah! Ça, c'est la question qui tue. Et surtout la réponse qui tue. Aucune réponse. Alors, petit Teradao, est-ce que toi aussi ça t'échappe? Non? Ça t'échappe pas? Bien content de te le lire. Toi aussi c'est louche. Merci. Bien content de te le lire, enfin bref, tu m'as compris. Ah. Donc toi aussi tu parles c'est louche. Merci. Voilà. Merci. Donc il n'y a pas que moi que ça échappe. D'accord. Merci. Au moins pour une fois tu penses comme moi. Pas souvent mais bon, pour une fois. Merci. Toi, je te le redis encore pour la quatrième ou cinquième fois, merci avec un grand M, tu vois, avec un grand M. Voilà. Parce que on a souvent l'impression, moi et Damien, d'être complètement débile. Mais. Ah d'accord, non, mais. Bon, en parlant débile. T'en parles sur tes lives ? Ouais. Je trouve que t'en parles pas souvent, Teradao. T'en parles, mais on va dire que tu survoles le problème. Tu le survoles. Mais moi, je le survole pas le problème. Moi, je fonce dans le problème. Et je m'en fous des répercussions. Mais je... Pouf ! Je... Pouf ! Tu vois ? Je vois, tu vois, quand je suis en avion face à ce problème-là, justement, au lieu de contourner l'orage, moi je vais dans l'orage. Et il y en a, sur Mixer, quand tu parles de ces mecs-là, comme ils ont les pétoches contre ces mecs-là parce que je ne sais pas pourquoi, bah eux, ils contournent l'orage. Tu vois, ils le contournent. Mais moi je contourne pas, moi je fonce dans le tas. Même s'il faut que je dise des choses qui leur plaît pas, je m'en fous. Pouf, je fonce. Ça serait pas aussi louche. Je dis des choses, Teradao. Ça serait pas aussi louche s'ils avaient pas autant de monde. S'ils avaient comme moi et Damien le nombre de personnes que là on a actuellement. S'ils avaient le même nombre que moi et Damien, je dirais rien. Je dirais
D'accord, ok. Pas de problème. Ils sont comme nous, ils galèrent autant que nous d'avoir des viewers. Je dis rien. Je dirais pas de problème. Pas de problème. Mais, bon. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Bon, allez. Damien, moi, je te laisse. Bonne nuit, Hervé. Je vais regarder ma série. Puis, il y a un Terra d'Aro. Quand j'aurai regardé mes trois... Mais est-ce qu'il y a trois épisodes? Mes trois épisodes de Big Bang Theory, je passerai, bah, comme d'hab... Avant de me coucher, j'irai voir qui diffuse et puis je passerai un petit moment, hein, Terra d'Aro. Enfin, si tu diffuses, bien sûr. Je passerai. Bon, allez. Bonne soirée. Allez, allez, on poste bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il met comme truc, lui? Allez.